Et bonjour tout le monde, c'est Rex Project. On se retrouve sur Transport Fever 2 pour continuer la petite map du sud de la France, continuer Lyon. Et petit changement de programme, donc j'avais dit que je ferais une ligne de tram, et puis finalement je me suis rendu compte, c'est un petit peu con, vu que déjà ça me prendrait même pas 2 minutes, donc pas de quoi en faire une vidéo. Et en plus de ça, il y a peut-être moyen que je l'agrandisse. Enfin, que je rallonge le trajet du tram, que je le fasse aller ailleurs. Donc, à la place, aujourd'hui, ça va être mettre la gare de Lyon-Pardieu et commencer quand même tout doucement, en fait, à faire des échanges un peu plus gros entre les différents quartiers, vu que même si ce sont des villes, il va falloir que je pense à faire du fret aussi, très bientôt. Mais, pour un... qu'il n'y ait pas juste le RER qui tourne, déjà. Et aussi parce que j'avais envie de mettre cette gare là. Bon, par contre, c'est où la mettre? Parce que ici, a priori, il n'y aura rien. Ou peut-être une par là. Lyon-Pardieu. Alors, si je la mets ici. Grosso modo ici. Là, voilà. Là, ce serait pas mal. Je pense que la mettre là, ce serait pas mal. Et normalement, je sais, Lyon-Pardieu, c'est une gare, c'est une grosse desserte, c'est la gare principale de Lyon, si je ne me trompe pas. Mais j'ai pas de nord à la carte, j'ai pas de trajet vers le nord. Donc, au final, ce sera un terminus, mais pour rendre ça un peu plus propre et pour faire un peu RP ou et un peu chipoter comme ça, je ferai des voies de garage et un dépôt plus loin, un peu vers le nord, donc ce sera pas une gare, stop. Voilà, ce sera pas une gare cul-de-sac. En revanche, il me faut ceci. 550, design, type de rail. On va mettre des standards. Caténaire, oui. Plateforme. Ok. Alors je vais mettre qu'une voie pour commencer. Building type large. Alors il faut que je regarde, par contre j'ai l'internet qui est allumé en même temps sur le côté pour voir. Alors j'ai les plans, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est de. Voilà, c'est ceci. Du satellite. Faire venir le tram sur le côté droit, alors. Ok. Donc comme ça, il faut que je la mette... j'avais dit, je vais la mettre ici. Dans ce sens-ci, ça m'a l'air très bien. À plat, c'est bon. Il me faut la longueur de quai, on va la mettre au max. Et de toute façon, on va la rallonger. Vérifier quand même les plans. Ouais, c'est vraiment ça qui va. En fait, si je trouve sur la photo la bibliothèque ou la tour. Peut que ce soit la même gare. Hein. Pharmacie, la feuille, et truc de Bonnel, gagna. Vous savez quoi, on va faire un Ibis budget. Avenue Georges Pompidou, alors quand je lis ça je rigole parce que à cause de ça j'ai la tête de Benzaï là. C'est le lycée Georges Pompidou. Ouais. On a les rêves des vieux, hein, que voulez-vous. Bon, allez, on arrête de tourner en rond, on va la poser, que je sois sûr, ici. On la pose ici. Il me faut 10 quais, enfin 10 voies, pardon. Et là, je vais repartir. Je suis désolé, hein, ça, pour vous, ça doit être chiant, mais. Enfin, vous voyez pas mon écran, heureusement. Donc, il y a le tram qui arrive là, ce sont des quais, mais c'est. Ok, le dernier, c'est au bout. Comme ceci, ça va. Oh merde! Que ça fasse des... J'ai pas envie que ça crache.
Ok. Donc là, c'est le dernier que je puisse faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, j'ai le choix. Soit je les remodèle. Je change un peu le modèle pour convenir à la taille. Soit je rajoute. Non, je vais un peu chipoter sur le modèle. Ok. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que ça. Voilà. Il me faut une voie comme ceci au bout. Ça c'est un cœur. Le truc c'est qu'il y a les quais et les quais. Parce que je sais pas comment on appelle ça, mais. Donc moi je donne l'appellation de. Des quais de. Quais de technicien, donc. Alors que ça a sûrement une autre appellation, mais c'est interdit au public. Oh, t'es logique, Rx. Eh oui, ça m'arrive. Ouais, je peux vraiment pas. Je peux vraiment pas faire le fifou là par contre, il faut que je fasse ça proprement. Maintenant vous allez me dire que tu peux aussi ne pas faire 10 voix. Hein. Ouais, effectivement. Mais j'ai envie d'essayer d'être le plus proche possible. Là c'est pas de quai, là il y a un quai, pas de quai, un quai. Ce qui fait que j'aurai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en aurait 9, allez, il y en a une de moins, ah, c'est pas grave. À la limite s'il faut je peux essayer de faire une petite gare souterraine avec 2-3 lignes à la con, ça va pas me tuer. Bien, ça c'est fait. Maintenant il me faut les vrais quais par contre. Donc là on est bon. Là on est bon. Et il me faut faire de la déco. Ça par contre... Ça, par contre, j'avoue, je suis un petit peu dans l'expectative. Comment dire? J'allais check. En fait, ce qui m'étonne, c'est que je m'attendais à ce que ce soit une gare un peu plus. Pimp. Comment dire, c'est assez c'est plat quoi. Elle est pas très elle est pas ouf. Alors bâtiment de passagers on va rajouter bien sûr un petit peu. Alors. On va rajouter un ici comme ça. Un gros ici. Un plus petit là. Voilà. On va mettre des divers maintenant alors. Ça comme ça, ça ici, ça ici. Zone d'attente. Et maintenant, le plus important. Alors ça, je sais pas le mettre, malheureusement. Du moins pas. En fait, je pourrais le mettre si c'était une.
Ouais, si je mettais un double quai. Bon, donc j'ai dit, c'est une gare plutôt plate. Je vais revérifier. Oui, il y a vraiment, il y a pas de déco. Hein. Je suis désolé, les Lyonnais, votre gare Lyon-Part-Dieu, elle est. Ou alors c'est un angle de vue qui est dégueulasse, hein. Ça peut arriver aussi. Attendez. Non mais ça c'est une gare allemande, je vous demande Lyon-Part-Dieu. Qu'est-ce que ça c'est en anglais. C'est les... Leeds, je m'en fiche. Ça aussi c'est anglais, enfin bref. Donc c'est une gare assez soft, ok. Écoutez, moi j'ai rien contre. Hein. Alors, comme ça, ça me semble bien. C'est ce qu'on va faire. Taille, puissance. Alors, ce qui m'embête, c'est que normalement, j'aurais préféré que la gare soit un peu surélevée par rapport à la ville. Donc, à mon avis, je vais tricher un peu à certains niveaux. Alors il me faut herbe brune, non il me faut gravier, c'est herbe et gravier que je prends en général, voilà, on diminue la taille. Voilà, et ici on va commencer à chipoter. Et il me faut ceci, collision off. Ça manque un peu de largeur. Donc voilà, je suis désolé, je ne mets pas de quai. Quoique, est-ce que j'ai des quais? Ouais, mais ce sera pas spécialement. C'est pas spécialement ouf, il me semble. Je sais même plus où ils sont en plus, donc. Ici. Ah quoi, ça c'est le problème, c'est que ce sont... Je pourrais faire des faux quais comme ça, mais... 5 mètres... Ah, je pourrais les faire plus bas. Je peux les faire plus bas, ça c'est pas une mauvaise idée. Ce que j'aimerais... Alors ça j'en ai pas besoin... Pas la longueur, c'est... Je crois que c'est Wise. Ouais, non, je suis obligé de laisser à 100. C'est vrai, vu que c'est... Je vérifie encore. Oui, c'est passionnant, je sais, je suis désolé. Ou alors, je mets un autre style. B, A. Voilà, là c'est la question que je me pose. Est-ce que je mets ça pour faire comme si? Ou est-ce que je mets juste un truc de délimitation? Vous savez quoi? Fuck, voilà. On va mettre un faux quai qui est plus bas, donc ça va. J'aurais aimé un qui puisse avoir un marquage attention interdit, interdit donc au public, mais il n'y a pas moyen, donc tant pis.
revanche, le terrain, il m'emmerde. Là, le terrain, il pose problème. Attendez, hop. Voilà, comment réussir? Ah, excusez-moi. Toujours le rhume, hein. Comment réussir à un petit peu gruger? Platform End. Non, Start. Et on va devoir retravailler sur 2-3 trucs, j'ai l'impression. Bon, c'est le Start. Voilà. Est-ce qu'on va passer de l'herbe? Un petit peu. Et ça a l'air de me taper sur les nerfs. Voilà. Bien, voilà, la gare est faite, les fioritures, je m'en chargerai plus tard. Maintenant. Ce que j'aimerais, c'est faire une liaison. Comme ça, ce sera fait. Donc, rail à 80. On va pas encore mettre les voies ferrées en parallèle, on va mettre les voies droites. Voilà, bien, maintenant ce que je veux, c'est pouvoir desservir par ici. Il faut que je puisse desservir et en plus partir. Donc là. Voilà, c'est ici par contre que la magie opère. Ou plutôt qu'on va devoir. Chipoter. Faudrait que je puisse mettre une voie nettement plus. Ok, alors si on fait à 60, admettons. Admettons. On mettrait pas un pont plus moderne? Si, quand même. On peut mettre un pont comme ça. C'est un viaduc. On a ça. Ça fait peut-être un petit peu trop. On a ça, ça. Ça me semble pas mal. C'est
Celui-là, il est buggé de chez buggé, mais depuis... perpète. Ah, on va mettre un comme ça. On va mettre un comme ça. Et il va falloir... comment dire ? En double comme ceci. Sauf que ce type de pont a l'air d'être buggé aussi. Oh non, ouais, c'est buggé. Donc désolé, on y retourne. Est-ce que c'est-à-dire que tous les ponts de béton sont buggés uniquement, ou uniquement le modèle comme ça? Ah, ça a l'air d'être que le modèle. Il a pas voulu faire la parallèle, tant pis, on va faire nous-mêmes. Ouais, c'est le pont modé. Pourquoi? Allez savoir. Donc on a ça comme ça. Le truc, c'est qu'il faudra aussi que je puisse partir dans ce sens-là. Donc ça, je vais regarder après. Là, ce qu'il me faut, c'est ceci. Voilà. Là, on est bien. Est-ce que je fais du 4 voies ? Ah, du 4 voies, c'est peut-être pas une mauvaise idée. De faire ça comme ça. Encore que, en fait, je peux faire avec une voie unique. Oula, 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 oula. Voilà. Alors, collision, les pieds du pont, on s'en tamponne. Là, je vais laisser en deux voies, on ne sait jamais. Et ici, on peut le passer en voie unique. Je suis en train de réfléchir, hein. Je suis désolé, ça prend du temps. J'ai pas super bien planifié pour une fois. En fait, ce qui m'intéresse ici. Là, c'est ça. Voilà, ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir est-ce que je fais voie unique et du coup ils attendent là régulièrement, ce qui m'arrange pas vu que je veux faire un train qui est navette. Ou est-ce que tout simplement je passe en 4 voies, ou je laisse en 3 voies, mais je pense que je vais passer en 4 voies, ça vaut mieux. Bon, toujours est-il que déjà, je vais prendre celle-ci et l'allonger. On va l'allonger. Alors, disons que celle-ci, on va l'allonger jusque-là. Je refais les voies plus tard s'il faut pour moins prendre le chou. Et celle-ci. Voilà. Celle-ci, donc, on va la laisser en voie unique sur ce morceau-là. Uniquement sur ce morceau-là, on est d'accord. Et comme on est en double, j'ai oublié que c'était en double. Voilà, donc on a ça. Ça, on va la mettre en jonction double.
Et la navette, on va la faire arriver, admettons. Allez voir. On met ça comme ça. On met ça là, on est bon. Pardon. Alors, on va créer une nouvelle ligne. Sauf que ça va être le quai numéro 2. Jusqu'ici, au quai numéro... C'est le quai numéro 5. Et ça prend bel et bien les voies rapides. Ça, c'est parfait. Alors, attendez, je regarde. Tchaka 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 tchaka. Oui, le problème, c'est que... Bon, on va regarder. On va s'en occuper. Une seconde. Donc, celle-là, ça va être... navette... Ça va être navette, la navette Lyon Saint-Exupéry. Je vais l'appeler comme ça. Il va me falloir des signaux pour bien dire que c'est du sens unique. Alors il me faut quoi? Prendre un standard comme ça. Sens unique, oui. Voilà, le problème ça va être ça. C'est que. Il faut un rail de. Il faut un rail de transfert comme ceci. Le problème n'existe plus. Voilà, là on est bon. Ce qui fait que. Timer. Je suis à grosso modo une demi-heure. Je mets pas encore la ville là. Enfin le quartier. Faut encore que je pourrais en fait. Il suffira que je rase ce qui rentre. Donc on va le mettre directement. Tac tac tac. Voyons voir. Ville, on va prendre. Grand. Et on va commencer à chipoter là-dessus. Alors, on va mettre en pause le temps de faire ça. Non, de pas raser la ville. Bon, Didio. Des quartiers à la limite, oui. Hein, mais une ville, non. Donc je vais prendre une rue, bâtiment, passager. On va être une gare de bus tram. On va l'allonger un peu. Voilà. Ça, on est bon. On va ajouter... On peut ajouter arrêt de bus Sander ici. Hein.
accès routier. Supplémentaire. Et là, on pose ça. Tranquille. Pas de raison. On agrandit tout ça. On agrandit tout ça, voilà, comme ceci, ça c'est bon. On a ces réussis. Un arrondi, ce serait quand même mieux. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Donc maintenant je peux mettre quelques arrêts de bus pour faire une desserte ici. Ah, par contre... Ah si, il y a une brique. Il y a une brique qui survit. Le bol. Bon, on va faire un petit trajet comme ça. Bus Lyon par Dieu. Gare Lyon par Dieu. Et on va y mettre un train directement. Normalement, toutes les voies sont électrifiées. Donc c'est bon. Allez. Ah oui, il faut un bus. Quand même faire une certaine desserte. Je relirai hors vidéo ça. Relier. Par route, bien sûr. Et je commencerai sûrement à ajouter aussi d'autres quartiers sur le trajet. Ça, je le renommerai après. On va mettre un petit dépôt comme ça. On va mettre deux bus. On va remettre en plaie. Et on va poser... Un train navette pour l'instant, on en ajoutera après. De toute façon, c'est pas dur. Je sais déjà ce que je veux y mettre. Où qu'il est? Là. On n'a pas d'AGC encore, malheureusement. Donc à la place, on va mettre des bombardiers talent 2. On met des 3 caisses ou 4 caisses? On va mettre des 4 caisses. On va en prendre... On va en prendre deux pour commencer. Et on verra. Et on va les mettre sur la ligne. Navette Lyon-Saint-Exupéry. Et on va faire le trajet avec directement. Très beau, franchement bien réussi. Ah, voilà. Voilà, et on va faire le trajet pour boucler la vidéo. Et donc la gare de Pardieu est faite, ce qui fait que je vais commencer à agrandir. Je vais rajouter des quartiers, je donnerai des noms aux quartiers au fur et à mesure. Il faudra que je fasse le dépôt. La prochaine vidéo, je sais pas trop. La prochaine vidéo, j'hésite entre soit de faire donc le trajet en tram. Ce qui fait que je rajouterai les quartiers en fait sur le trajet du tram au fur et à mesure aussi. Soit
Je pense que ce serait peut-être mieux, c'est de préparer le gros dépôt avec les voies de garage. Ça, je sais pas encore, je verrai. De toute façon, là, je suis tranquille. J'en avais un peu marre de voir juste le RER rouler sur la ligne, donc. Bon, faut attendre qu'il y ait une voie qui se libère. On va profiter. Bon, et donc, les plans pour la suite, par contre, de la map après ça. Vu que Lyon perdu est en fait, normalement, j'ai plus de gare à mettre. Sur Lyon, j'entends. Donc, faire le tram, le dépôt. Et puis après, il faudra que je vois quelle ligne de quel LGV je ferai. Par quelle ville passer, etc. Je sais, de toute façon, il y aura déjà quoi? Il y aura Valence, Avignon, Miramas, probablement. Voilà, j'ai une petite idée de certaines villes, mais là, je vais d'abord commencer aux alentours de Lyon. Et je crois que le mieux, c'est de commencer par faire une ligne vers Saint-Étienne. Et penser aussi à faire du fret pour agrandir la ville. Parce que bah, ça stagne un peu. Alors oui, vous pouvez le voir, j'ai quand même des cordes. Juste pour voir, je veux juste voir à l'extérieur. Le 960, c'est pas dégueu. Ah, par contre, ici, je vais devoir du coup. Bah non, vu qu'il va pas par là, c'est vrai. Celui qui va sur repérage, ce sera pas celui-là. Ouf, alors ici par contre. Voilà, pour passer ce serait mieux. Il y a un arbre en trop. Mais je vais décorer un peu cette gare là aussi parce que c'est plutôt. Voilà. Bien. Et là, on va pouvoir mettre le turbo. Allez. J'ai mis la voie à 140, j'hésite à la mettre quand même à 160. Je pense que je vais la passer à 160 quand même.
C'est vrai, j'ai pas mis de signalisation. Donc forcément, j'ai priorité. Bah tant mieux. Là, on va voir arriver sur le quai. Je peux peut-être la mettre un cran plus haut. Ouais, en fait, je peux le mettre plus haut. Trajet de retour pour voir ce que ça donne. Et donc ok, je dois mettre les quais à 760. Je pensais que le modèle était à 550, non, non, 760. Ok. Jusque là c'est bon. Donc remonter les quais et ajouter la signalétique. Et mettre à 160 les rails de cette ligne là. Voir ce que ça donne de l'extérieur. Parce que vu de l'intérieur, c'est pas ouf. En fait, vu de l'intérieur, on a l'impression que les courbes sont plus fortes. Ça fait bizarre.
Est-ce qu'il y a déjà des passagers? Bah oui. C'est vrai que comme c'est... En plus, c'est la seule desserte. C'est le seul train qui dessert ce coin-là pour l'instant, donc... Effectivement, ça va marcher. C'est là parce que je vais travailler un peu sur le quai, donc par après, on verra ça. Bien. Eh ben, je suis pas mécontent. C'est ici, c'est pas ouf. Je sais pas trop si. Alors ça, je peux mettre double ça, non? Ça, je peux. Je sens que je vais devoir ajouter des lignes, encore que. Bon, encore que, comme c'est là, pour une desserte locale, ça va. Je verrai plus tard, mais donc là, la vidéo va être arrêtée. Je vais faire les liaisons routières standard. Hein, attention, je m'occupe pas du tram. Ça, le tram, ce sera pour une vidéo à part entière. Je vais juste rallonger les voies pour ne pas avoir la ville qui commence à prendre trop de place. Je verrai pour la rallonger par là. Sans que ça gêne les rails. Donc prochaine étape, ce sera relier par tram Verlan, Lyon et quartier dont je n'ai pas encore le nom que je mettrai. Et puis la vidéo après, ce sera faire un dépôt voie de garage ici parce que simplement en fait, quand les trains arrivent en terminus ici, bah, les faire rallonger, leur remettre un point de cheminement en plus pour qu'ils aillent à vide par là. Et puis ils reviennent sur la gare, voilà, comme s'ils allaient à leur voie de garage et qu'ils étaient remplacés. Et ce sera tout pour l'instant, j'ai pas d'autres. J'ai pas vraiment d'autres idées, il va falloir que je fasse des industries, il faut vraiment que j'y pense. Et que je commence à en placer. Mais ça, je dois d'abord voir comment je vais arranger, notamment par ici. J'aimerais mettre peut-être une ou deux petites villes. Et Saint-Étienne peut-être par ici. Ou par là. Ce serait pas mal, la distance est pas trop grande ni trop grande. Bref, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao !